All across ocean and land. No. All across ocean and land. All across ocean and ocean. J'ai envie de fêter, et de joie, parce que c'est aller se marier, c'est un acte recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les premiers musulmans ont toujours fait, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait 9 ans. Il nous a dit, et nous on s'est limité à 4, donc c'est une journée de joie. Pour cette union, ça tombe encore un vendredi. Tout juste après la fête du sacrifice, donc je fais tout en joie. Donc, et merci à Allah subhanahu wa ta'ala et prier qu'il mette la bénédiction. Et permet aux autres qui n'ont pas encore eu d'avoir le pas et fait que les musulmans s'accroient dans cette union. Et le programme d'aujourd'hui, c'est quoi, Imam? Alhamdulillah, le programme d'aujourd'hui, tout juste après la prière du vendredi, qui est une grande journée, comme fait le salam, l'imam va passer à l'office du mariage. Ça s'est passé tout juste à la prière du vendredi. Et le nom de votre femme? Le nom de ma femme, ma bien-aimée, s'appelle Habiba Ladidi. Habiba Ladidi. Merci. La deuxième bien-aimée, puis il y a la première qui s'appelle Moura Aminat. Parce qu'on n'attache pas le mariage dans le mariage. Et si elle s'est déjà mariée une fois, ou bien là il y a eu divorce et il y a ce papier qui prouve que non, elle a été divorcée. Mais alhamdulillah, je me porte garant de l'imana de répondre à toutes ces questions. Parce que il y a monsieur mariage, il y a qui est devant vous. Je vais dire c'est. Donc, Inch'Allah, on va célébrer le mariage qu'Allah les laisse en paix, l'imana dans leur foyer. Et la fille s'appelle, votre fille. La fille s'appelle Habiba. Habiba, Inch'Allah. Et votre garçon. Mohamed, Inch'Allah. Ahmad, Inch'Allah. Donc on va attacher le mariage entre Habiba et Ahmad. Et il y a le Sadat. Le Sadat, c'est 50 000. Pour le témoignage du Jamar. Jamar, il y a le Sadat de 50 000. Le mariage, Inch'Allah, entre Habiba et Ahmad. Le salat est 50 000, on a donné des manas, on a donné complet. Inch'Allah, quand vous allez demander, c'est vous qui demandez la main de Allah qui a lâché la vie de l'Inch'Allah. Le nom présenté, Inch'Allah, Idriss et. Mon nom c'est Abdullah. Abdullah, Inch'Allah. Vous allez demander la main de Habiba pour donner à. Au nom de notre famille, nous demandons la main de votre fille Habiba pour qu'elle vienne nous accompagner dans notre famille, qu'elle vienne épouser notre frère Amadou pour asseoir notre famille. Michel, et vous acceptez? Oui, j'ai accepté de donner Habiba à cause de la sunna du prophète. Au nom de la sunna, c'est pour moi, c'est pour ça. Et vous demandez encore une deuxième? Oui. Moi, Abdou, la représentant de la famille de Moualib Amadou, nous demandons la main de votre fille Habiba au nom de la Sousa, du prophète Sousa, pour qu'elle vienne nous accompagner dans ce travail de prière, de soumission. Non, et vous acceptez? Non, j'ai accepté. Vous voulez? Habiba, à cause de la sunna du prophète pour la sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Une dernière fois, nous Moi, Abdou, nous demandons la main de notre fille Habiba pour qu'elle vienne épouser notre frère Malad au nom de la sunna du prophète. Habiba,
la cause nationale du prophète Mohammed la soudan en ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment. Inch'Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Le représentant de Ahmed Abdullah a demandé la main de Habib à notre frère Inch'Allah. Alhamdulillah, ils ont donné avec le Sadaq de l'Imana 50 000 de Mahou témoigne. Le Sadaq de l'Imana 50 000. On a, Inch'Allah, le mariage a été attaché. On va dire à Allah, من أزواج ربنا من الأديان كثير ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قل بارك الله لكم وبارك عليكم وأوزعنا عليكم الخفين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم assister à ce mariage, que le bon Dieu le donne de la paix, de la richesse, et nous mettre aussi sous ce qui ont plus que nous. Vraiment, c'est une fête. Je ne peux rien vous dire. Donc nous prions le bon Dieu, que ça soit le bonheur, et nous souhaitons ça dans ce mariage. Inch'Allah. Merci. Moi, je suis très content de ce mariage, que Allah le donne la paix et que mette à Barka. Il le donne les enfants qui vont vraiment avoir la hafiz dans la hafiz Quran. Que Allah laisse la paix, donne la paix. Et pour ceux autres qui n'ont pas eu de fait de mariage, que Allah le donne le mariage. Salam alaikum. C'est très bien passé à Alhamdulillah. C'est la sunna du prophète. Et que Dieu lui donne, lui et la femme, longue vie, qu'elle remplisse les conditions du mariage. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sa femme, que ce soit celui qui va la tuer. Que Dieu les laisse ensemble. Et là, moi, je suis toi-même, ciel. Pas ton mal, pas imam, man la promotion. À ma femme, je suis mal à Madou et comme mon fils, je suis le successeur de sa maman. Donc ce que je souhaite à ma belle-fille, c'est que qu'elle soit vraiment la côte de Malamadou, comme on dit souvent. On dit souvent que la femme a été greffée de la côte gauche de l'homme. Je veux vraiment qu'elle soit cette côte-là et que cette union soit vraiment une union pour l'éternité. Voilà tout ce que je souhaite. Ah ouais.
Thank you.
Se passer bien, très très bien, avec la lutte que je vois. Oui, oui, oui. Nous, on ne s'attendait pas comme ça. Vous êtes venus subitement et on est surpris de voir l'ambiance que vous êtes en train de faire. Vraiment, je suis très très content de vous voir comme ça. Oui, oui. Quel souhait à votre fille? Oui, je souhaite qu'elle réussisse dans le mariage, qu'elle soit vraiment épanouissante dans le mariage, et que les deux couples s'aiment parfaitement. Comme on l'a toujours dit, pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup, maman. Merci, mon père. Quand il me bénit, il embrasse, il cherche l'eau, il se lave et il met la nourriture.
demande comment elle est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que l'homme, c'est d'abord son ventre. Et je ne veux pas que demain matin, l'homme vient se plaindre de ce que c'est de se passer. Elle fait tout moins possible. Quand il rentre d'abord, premier des choses, elle demande d'abord, tu as bien passé la journée. De poser l'eau derrière, il se lave. Dès qu'il finit de se laver, il donne à manger. Dès qu'il finit de manger, il demande à la laisser de poser. Tout ce qu'elle fait, il donne à manger. Il laisse vraiment bonne chance. Merci, merci. Ma petite sœur dit que le remède de la femme, c'est quoi? Si tu dis ton mari, quand tu connais les habitudes de ton mari, tu marques selon les habitudes de ton mari, tu fais plaisir à ton mari. Que Dieu les protège, le conseil que Dieu donne. Merci, merci. Quel est le souhait dans votre foyer? Le souhait dans mon foyer, c'est d'abord la paix, la joie, la prospérité, la réussite et les enfants purs. Merci, merci. Merci, Allah. Merci, Allah. On se prend le temps d'envoyer la paix et la bénédiction sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Avec la joie par rapport à la famille qui sont venus nous assister pour ce mariage. Donc je les souhaite qu'Allah fasse qu'ils, comme ils sont venus en paix, qu'ils rentrent aussi en paix. Donc, je suis content, les mots me manquent. Je prie à Allah qu'il fasse que tout le monde ait aussi la force et la
capacité d'avoir ce jour. C'est un grand jour pour moi, le jour de mariage. Dans le foyer, ce n'est que la paix et l'harmonie. On vit sur terre, on est une famille et on va arriver jusqu'à notre dernier jour et trouver le Seigneur là où se prend notre âme. La paix et l'harmonie, c'est le pardon. Même avec la dent et la langue, arriver souvent que ça ne nous met sur quoi. La patience est très importante en islam. All across ocean and ocean.